Regardons dans cette vidéo comment fonctionne le principe des triggers. Alors là, nous avons une porte. On va se déplacer vers la porte et la porte va s'ouvrir. Vous utilisez donc la touche W du clavier pour avancer. La porte s'ouvre et si vous reculez avec la touche S, la porte se referme. Vous retrouvez la scène dans Playmaker Simple, Test Lab, Trigger. Et on fait pour l'instant Automatic Door Trigger. Donc la scène est ici présente. Alors là, vous avez des informations, vous voyez, dans la partie Game. Alors on peut supprimer ces informations à l'écran en cliquant ici, vous voyez, sur GUI, Info. Vous allez dans l'inspecteur et vous désélectionnez cette partie. Donc là, les infos disparaissent, ainsi que le logo. La scène est constituée donc pour la porte de deux parties. La partie gauche et la partie droite. Alors, si l'on clique sur Door, on voit apparaître donc le programme. Alors, première chose importante, eh bien, pour ouvrir la porte, il faut avoir à disposition un trigger. Eh bien, le trigger est ici représenté par ce box en vert qui est autour de la porte. Ce sera l'événement de déclenchement de l'ouverture de la porte. Le box collider qui se trouve ici, on retrouve les caractéristiques, ses propriétés dans l'inspecteur. Ici, c'est box collider. Vous pouvez désélectionner. Ensuite, le box collider doit avoir cette variable isTrigger cochée, ce qui veut dire que ce box collider va se comporter comme un trigger. On va avoir besoin de deux événements. Un événement Close Door, donc porte fermée, et un événement Open Door, porte ouverte. Ensuite, si l'on va maintenant dans l'état de départ, eh bien on trouve ici une action Play Animation et ensuite une action Trigger Event. L'action Play Animation va commander une animation qui aura dû être créée au préalable. On retrouve cette animation dans l'inspecteur à cet endroit. Mais maintenant, on veut par exemple trouver le détail de cette animation. Eh bien, en réalité, c'est un préfab. Alors, on peut retrouver le préfab en cliquant avec le bouton droit et en faisant sélectionner préfab. Et vous voyez ici apparaît donc le préfab dans la scène. Donc, on peut développer ici. Et là, on constate donc que l'on a les parties Left Door, la partie Right Door, donc les deux parties de la porte. Ensuite ici, on a le chambranle de la porte, je dirais, d'autres parties. Et là, on a l'animation Closed, ou bien Opening, Open ou Closing. Donc là, on a une série d'animations. Alors, pour pouvoir voir l'animation à cet endroit, on peut faire un drag and drop de door dans la fenêtre. Et là maintenant, vous voyez, si on fait Closed, on lance l'animation. On passe sur Opening. Voyez, on voit la porte s'ouvrir ici, donc on peut changer ici le temps. Ralentir. Ensuite, Open. Close. Donc voilà toutes les animations à disposition. Donc ceci est créé dans un logiciel externe ou éventuellement dans un système d'animation qui existe à l'intérieur d'Unity qui est le module ici animation, l'éditeur d'animation. Pour pouvoir voir apparaître donc l'animation dans l'éditeur d'animation, il suffit de cliquer ici sur Door pour voir apparaître donc tous les constituants de la porte, y compris par exemple les matières et puis les mesh render. Alors je ne vais pas entrer en détail là-dedans, mais donc il faut savoir que cela existe. Alors revenons maintenant sur le module Play Animation, donc l'action Play Animation. Eh bien, qu'est-ce qu'on va animer? Eh bien, le GameObject, eh bien, c'est l'objet propriétaire, c'est l'objet qui est déjà dans la scène. Autrement, on pourrait toujours choisir un nouvel objet. Ensuite, quel type d'animation je veux avoir ici? Eh bien, c'est une animation où la porte est fermée.
Donc ici, vous voyez, vous avez donc AnimName qui apparaît et vous pouvez faire le choix ici sur les différentes possibilités d'animation. Donc pour l'instant, on est en fermeture, la porte est fermée. Ensuite, là, vous avez un Play Mode. Alors, bien, on fait Stop All. Ensuite, le Blend Time, c'est le temps que mettrait donc la porte pour passer d'une séquence à une autre. Alors, ensuite, on a ici un Trigger Event. Donc, le Trigger Event est justement le trigger qui est ici représenté par cette boîte verte. Eh bien, lorsque l'on rentre dans le trigger, c'est-à-dire qu'on peut choisir plusieurs séquences, soit on entre dans le trigger, soit on est à l'intérieur du trigger, soit on sort du trigger. Eh bien, dans ce cas présent, on avance vers la porte, donc on entre dans le trigger. À ce moment-là, qu'est-ce que l'on fait? On émet un événement que l'on appelle Open Door, qui se trouve ici, que l'on a créé au préalable. Donc l'événement Open Door va dans un nouvel état, Open. Ben, c'est à ce moment-là qu'on va ouvrir la porte, puisqu'on est arrivé dans le trigger. Bon, pour ouvrir la porte, eh bien, de nouveau un Play Animation. Cette fois-ci, on choisit, vous voyez, l'anime name Open. Donc on ouvre la porte. Là, on laisse le Blend Time toujours à 0,3. Ensuite, ici, vous voyez, ben, tout simplement, on crée un son d'ouverture de la porte. Alors, le son, ça sera l'audio clip que l'on retrouve ici. Donc, on choisit un audio clip ici. Donc là, pas de problème. On peut agir ici, vous voyez, sur le volume aussi du son qui sera émis. À quel endroit on va émettre le son? Eh bien, à l'endroit du Game Object, c'est-à-dire à l'endroit de la porte. Donc, c'est assez logique. On émet le son à l'endroit où se trouve la porte. Ensuite, eh bien, vu qu'on vient d'ouvrir la porte, maintenant on va créer un nouvel événement OnTriggerExit, c'est-à-dire qu'on va émettre de nouveau un message au moment où on va sortir de nouveau du trigger. Eh bien, le message qu'on va émettre, c'est CloseDoor, ce qui va nous permettre de faire le lien à l'état suivant, qui est l'état de fermeture de la porte. Cet état qui se trouve ici va nous permettre d'émettre un son de fermeture. Et ensuite, eh bien, on a un état, donc une transition finish, ce qui nous permet de faire la liaison sur l'entrée pour pouvoir faire une boucle en permanence. Regardons maintenant le programme qui utilise un bouton pour ouvrir la porte. Alors, vous faites bouton d'or pour charger donc la scène et le programme. Alors, faisons déjà un test. Donc là, on voit, on a une cible. Donc si je me déplace contre la porte, eh bien la porte ne peut pas s'ouvrir. Par contre, si je vais vers la cible et que je me déplace, vous voyez, à un moment donné, j'ai une main qui apparaît, je peux appuyer sur le bouton et la porte s'ouvre. Si je recule, la porte se referme. Donc regardons la séquence d'animation pour effectuer ce programme. Commençons donc par regarder comment le curseur a été créé. Donc pour pouvoir créer un curseur dans la scène, la première chose à faire est de créer un objet empty, donc un objet vide, que l'on appelle, vous voyez ici, dans l'inspecteur curseur. Ensuite, on commence à programmer et on crée le curseur à cet endroit, donc en utilisant une action setMoveCursor. L'action setMoveCursor se trouve dans la partie GUI setMoveCursor. Alors ici, on a la texture du curseur que l'on veut utiliser. Donc vous voyez ici, réticule, donc ici j'ai la couleur que j'utilise pour le curseur. Donc si l'on clique à cet endroit, vous voyez, on peut aller chercher donc le réticule que l'on utilise, qui est une texture, vous voyez, de 32 par 32, compressée. Maintenant, pour pouvoir passer donc dans ces états ici et cet état-là, eh bien, il faut créer des événements que l'on trouve donc ici. Un événement touche,
que l'on va utiliser ici et un événement pose Z qu'on va utiliser ici. Alors, on crée donc, vous voyez, ce type d'événement. Donc, pour montrer, donc je fais un CTRL-CLIC. Donc là, je crée un état. Et je vais donc rajouter ici donc un setMove curseur. Donc setMove curseur add to action. Donc j'ai mon curseur qui est ici. Ensuite, je sélectionne eh bien par exemple la texture, le réticule. Et ensuite, eh bien, ici, pour pouvoir lancer donc cet état, eh bien, il va falloir que je crée un événement touche, donc qui est ici. Mais pour cela, je vais sélectionner là, aller dans les Global Transitions et faire touche. Voilà comment on crée donc cette partie de programme qui se trouve ici. Donc à cet endroit-là, eh bien, on trouve donc cette texture, donc la main. Et pause Z, eh bien ici, quand on est en pause, on a un setMove curseur, mais sans texture, et on désélectionne hit curseur et look curseur qui sont, vous voyez, sélectionnés dans ces deux états. Ici, on désélectionne ceci. Donc là, on retrouve l'explication du module Move curseur avec hit curseur qui donc cache le curseur courant, donc le curseur que vous voyez actuellement. Et puis look curseur, ça vous permet de centrer au milieu de l'écran le curseur quand on l'utilise en first person game. Maintenant, pour ce qui concerne la programmation de l'ouverture et de la fermeture de la porte, eh bien, on a vu ça précédemment, donc c'est exactement le même programme. Alors maintenant, intéressons-nous à la partie bouton. Donc le bouton qui se trouve donc ici, que l'on va presser. Alors ici, on a le programme. Alors déjà, on a des événements, reset, preset, move over. Et là, vous voyez, on a des variables. Donc une variable peak distance, une variable door, cursor, qui sont des variables ici, game object, et là, une variable floating point. On commence donc par un premier état en attente et ici un événement move over. Donc c'est un événement qui attend que donc la souris ou le curseur se positionne sur le bouton. On a un set matériel comme action. Ici on a le matériel door bouton. Donc c'est ce matériel qui se trouve ici. Donc c'est un matériel, vous voyez, disons mat, noir. Ensuite, là, on a une autre action qui est un Move Peak Event, c'est-à-dire c'est une action qui va nous permettre de créer un événement à partir du moment où on est sur le bouton. Donc ici, dans le Game Object, on a l'objet propriétaire. Ensuite, ici, on va mesurer une distance pour émettre le Move Over, le message Move Over. Et cette distance est définie ici par cette variable peak distance que l'on retrouve ici et où là vous voyez il y a une valeur de 2 unités. Donc lorsqu'on aura atteint ces valeurs de 2 unités, eh bien le module Move Peak Event va émettre un événement qui s'appellera Move Over. Ensuite ceci se fait en temps réel, donc à toutes les frames. Et maintenant pour revenir ici, le set matériel en somme était sur le propriétaire, donc sur le bouton, on mettait un matériel noir, donc pour signaler que le bouton n'était pas encore actionné. Ensuite, on commande donc un deuxième état, ready, donc le bouton est prêt. Dans les actions ici, on a un set matériel, donc première chose que l'on fait, on change la matière du bouton, donc on prend une matière un peu verte fluo pour signaler que le bouton est actionné. Ensuite, on crée ici un play sound. Donc là, c'est toujours le même principe. Donc les sounds sont ici. Ensuite, on va avoir une action send event. Et cette action ici est extrêmement importante. C'est vraiment quelque chose de nouveau pour nous aussi. Et bien ici,
La cible de l'événement, eh bien, c'est le GameObject FSM. Donc, un GameObject FSM, ce sont ces modules FSM. Le GameObject, eh bien, c'est le GameObject spécifié. Alors, lequel c'est? Eh bien, l'objet, c'est le curseur. Alors, pour résumer ici, ceci veut dire qu'on va émettre un événement du type touche dans le curseur qui se trouve ici, dans ce module FSM. Et si l'on regarde ici dans ce FSM, eh bien, on a ici touche, l'événement touche. Donc voilà comment l'on peut passer d'un FSM à un autre grâce à ce module SendEvent. Donc là, on constate qu'on a un GetKeyDown. Ça veut dire que l'on va regarder si une touche du clavier a été touchée. Eh bien oui, ici, ce sera la touche du clavier donc de la lettre E. Donc là, on peut chercher, donc vous voyez, les touches du clavier. Donc définir la touche du clavier qui va être appuyé. Donc on émet un événement précède. Alors ça, ce serait une possibilité. C'est-à-dire qu'au moment où le curseur arrive sur le bouton, on peut appuyer sur la touche E du clavier pour ouvrir la porte. Avec cette action ici, Move Speak Event, on a aussi la possibilité d'appuyer avec le bouton de la souris pour aussi ouvrir la porte. Alors ici, on a la distance. Et ici, les événements, quand la souris, quand le bouton de la souris est appuyé, on a un événement précède. Et quand on relâche le bouton de la souris, on a un reset. Donc là, on vient de s'intéresser à l'état du bouton. Alors maintenant, grâce à ces deux transitions, ces événements de transition, précède et reset, ceci va nous permettre justement d'ouvrir ou de fermer la porte. Alors ici, eh bien, quand je suis sur précède, je vais dans cet état. La première action que je vais effectuer, c'est de changer la couleur du matériel du bouton. Je prends un vert. Ensuite ici, je crée de nouveau un send event qui va aller chercher le programme d'or de la porte. Donc grâce à ce GameObject FSM. Alors la porte, souvenez-vous, c'est ici, donc c'est ce programme que l'on connaît. Donc là, on reçoit donc un événement qui nous permet d'ouvrir la porte. L'événement envoyé est SendEvent Open Door. Ensuite, on crée ici un son. Et là, on a de nouveau un SendEvent, mais cette fois-ci dans la partie curseur. Et on envoie le SendEvent Défaut. Donc dans la partie ici curseur. Défaut. Et là, dans la partie reset, eh bien, on crée un nouvel send event avec donc de nouveaux défauts dans la partie curseur. Touche E. Pick Mouse. Donc voilà, ceci sera la fin de cette vidéo sur les triggers.